Ici Lupina pour un nouvel épisode de Deux joueuses, une partie que je fais en duo avec Elancia sur une idée de Yayo Sengard et de Jody Dreams. Nous sommes à l'épisode 27, si je me souviens bien. Alors, c'est le bordel. Je crois qu'Elancia a encore fait des bêtises. Ah, il y a un bureau là, il n'y avait pas de bureau avant. Qu'est-ce qu'elle a fait? Ah si, c'est la chambre de Ginette, de Germaine. Je sais plus comment elle s'appelle, moi. Force. Oh ah d'accord, donc en fait, elle a... C'est beau, ça? Ça vient d'où? La meuf qui découvre son jeu, ça vient d'où, ce truc-là? Ah ouais. Oh, j'avais jamais fait gaffe, les gars, qu'il y avait ça. Je l'avais pas vu. Elle est super jolie. Donc en fait, elle a mis des plantes dans le dressing de Germaine. D'accord, bah il n'y a pas de problème avec ça, hein. Écoutez, ça nous fera de la thune. D'ailleurs, en parlant de thune, on commence à en manquer. En plus, on va avoir des gosses là, ça va être sympa. Là, c'est la chambre des petits. Bon, il s'est pas passé... Enfin, il n'y a pas l'air d'avoir grand-chose de mal. Elancia aime bien me faire des petites farces. Alors souvent, je suis en mode, mais qu'est-ce qu'elle a foutu? Mais pourquoi elle a fait ça? Mais je ne lui en veux pas, au final. Je lui fais des bisous. Des bisous. Bah, va te coucher, Kéan. Va te coucher. Toi aussi, va te coucher. Mais qu'est-ce qu'ils sont cons? Mais mange pas un bol de chips, va te coucher. Vous savez quoi? Ah non, j'allais dire, on va engager un majordome, mais on ne peut pas, puisqu'elle n'a pas le kit du majordome, donc ça risque de coincer. Pourquoi elle est triste, louloute? Endeuillée. Quoi? Qui est mort? Qui est mort? Ah bah oui, je sais qui est mort. C'est Don et tout ça, non? Attendez. Ouais, c'est ça. En fait, on a tué des gens avant. Non, Max, on s'en fout de toi. Alors, vous savez ce qu'on va faire, c'est que quand on aura eu les enfants, ou l'enfant, je ne sais pas, qui est née enceinte encore, Ginette, pardon. Donc, quand on aura eu les enfants, je les foutrai dans une autre famille et on sera tranquille avec nos deux. Voilà, donc je ferai grandir Germaine et ce sera Germaine qui adoptera les gosses. Voilà. Hein, parce que les gosses, ça me saoule. Même si c'est une petite blague que je fais à Elancia, parce qu'elle aime pas non plus les gosses. Enfin, dans les Sims, hein, parce que sinon, elle aime bien. Elle aime beaucoup, voilà. Du coup, c'est le bordel, je m'y retrouve pas. Va te coucher, Moru. Donc, tout le monde dort, là, c'est bon. Ah, mais non, elle a plus son costume de raton laveur pour dormir. Oh, quelle tristesse. Tristesse. Ok, donc toi tu pues. Il y a les chats qui se battent en fond, donc si vous entendez des bruits, c'est normal. Enfin, ils se battent. Je sais pas ce qu'ils font. Non, en fait, ils sont en train de s'éclater sur un carton. Tout va bien, mes chats sont normaux. Tout va très bien. Madame la marquise. Alors, oulala. Oulalalalala. Pipi, vite, 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 pipi, vite. Pfiouf, on a eu de la chance. Hop, toi tu vas aller manger. Toi manger. Toi manger aussi. Allez, debout là! Voilà, on mange et plus vite que ça. Qu'est-ce qu'elle fait? D'accord, elle se douche ici. Donc j'ai pas compris. Toi, qu'est-ce que tu fais? Tu vas te préparer un petit repas. Bah, c'est très bien. Écoute. Allez, debout. Comment il s'appelle, lui, déjà? Ferdinand. Oh, les noms. Les noms pourraves qu'on leur donne. Bon, c'est surtout moi, j'avoue. J'avoue. J'aime bien leur donner des noms de merde. Mais regarde ça, t'as la dalle et tu prends qu'un petit peu. Prends une portion de macaroni, fais quelque chose. Mais toi aussi. Allez. Oh là là, quelle bande de cassos. Qu'est-ce qu'ils
qu'elle fait avec son assiette? Je la vois se balader dans tout l'appart avec son assiette, elle. Non mais je te jure. Elle a des problèmes, hein. À faire pipi, louloute. Est-ce qu'ils ont fait leur devoir? Et non. Super. Allez, fais tes devoirs. Ah, mais on est samedi, donc ça va. Ça va. Tranquille. Et toi aussi, il faudrait que tu les fasses, tes devoirs. Ce serait pas mal. Voilà. Donc, vous mangez. Ensuite, toi. Ok, donc toi, t'as deux bols de chips, là. Mais qu'est-ce que c'est que ce bazar? Non, il y en a qu'un. Il y en a un qui est buggy. D'accord. Pouit. Ok, donc, elle fait la vaisselle. C'est parfait. Toi aussi. Non, c'est bon. Ah, on a des fleurs et tout. D'accord, donc ça aussi c'est buggé. On a des fleurs, donc ça c'est très bien. Parce que Elancia a été au Festival des épices. Elle a enfin trouvé un festival. Enfin, de ce qu'elle m'a dit, parce que j'ai pas encore vu son épisode, il n'est pas encore sorti. Je sais pas du tout quel jour tombe cet épisode, les gars. Donc ça se trouve, c'est une fête qu'il faut que je vous souhaite et je ne sais pas. Donc je vais regarder sur mon petit agenda. Mon agenda. Alors, c'est celui d'après. On en est au 27e épisode. 28 même. 28e, pardon. Le 14 février. Ah! Oui, alors je tourne ça. On est le 10 décembre. Voilà, donc. Bonne Saint-Valentin! Bonne Saint-Valentin, les gars! Hein? On tourne très en avance puisque Elantia n'a plus le temps chargé. Donc, vaut mieux tourner en avance plutôt que vous n'ayez plus du tout de vidéo. Et pour être honnête, la série ne durera pas indéfiniment non plus puisqu'on n'a pas réellement de but. Et voilà. Après, je ne suis pas pressée qu'elle se termine puisque moi j'aime bien faire ça avec ma petite Elantia même si on joue pas du tout pareil. C'est assez drôle d'ailleurs, au final. Même si. Oh, c'est l'anniversaire de Kéane! Oh, c'est l'anniversaire de Kéane! Eh ben écoutez, on va faire une fête! Allez, fais une fête! On a pas d'amis, mais on va faire une fête. Comment on fait une fête déjà? Je sais plus. Organiser un événement social. Social. Allez, dépêche-toi! Alors, fête privée, soirée dansante, fête costume, fête d'anniversaire, voilà. Sim célébré, donc ce sera Kéane. Ensuite, on va inviter, bah évidemment, nos enfants. On va inviter aussi les enfants qu'on a largués ailleurs. Pauvre gosse. Puis on va inviter bah, tout ce petit monde là. Hein. Hop, hop. Hop. Ah, c'est tout. Ok. Merde. Faut que je les resélectionne. Quelle truffe. Ah là là. Bon, attendez, je recommence. Padoué la vie. Hop. Dominique. Marcus. Voilà. Zoup. Alors, on va inviter un traiteur. Un mixologue. Un artiste, pourquoi pas. Et où est-ce qu'on peut faire ça? Parc. Bof, au parc, hein. Bar. En boîte de nuit. Je sais pas, on peut aller. Non, on va pas faire ça chez nous, j'ai pas envie. Bah, une boîte de nuit, pourquoi pas? Celle-là, elle a l'air sympa. Ah non, je sais c'est laquelle. Bon, c'est pas grave, on va aller là. On va aller là, ou peut-être pas en fait. La meuf qui s'est pas décidée. Non, ce bar-là, il est tout pourri. Je suis trop tale. Bon, on va aller là. Hein, tant pis. Voilà, on va aller faire notre fête d'anniversaire ici. J'espère que ils nous feront un gâteau. Ce serait bête sinon. Ce serait très bête. Je vais voir quand même si c'est pas l'anniversaire de quelqu'un d'autre. Donc ça veut dire que Kian va devenir adulte, si je ne me trompe pas. Allez, go. Oh, un petit chat minouche. Chat minouche d'amour. Alors, du coup, je fais disparaître. Oups, je fais. C'est embêtant ça.
Je voulais faire disparaître ma caméra. Ra, ra, ra. Hop. Ok, donc je la vois toujours, c'est génial. 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 Pouit. Voilà. Donc, est-ce que tu veux bien? Voilà. Donc, je l'enlève pour moi, en fait, vous la voyez toujours, mais je l'enlève pour moi pour voir les machins. Alors, préparer un repas pour un groupe, faire encore en sorte que les Sims écoutent la musique. Putain, c'est dégueulasse ce bar. Bon, c'est pas grave, c'est rustique. Voilà. Hein. Et je crois qu'il n'y a même pas de. Ah, si, il y a un truc. Allumé, on va mettre un truc qui bouge. Radio blabla, préado, New Age, effrayante. S-pop, je sais pas ce que c'est. Est-ce que vous pouvez tous danser? Non, c'est quoi? Écoutez la musique. Écoutez. Écoutez. Écoutez, faire en sorte que les Sims fassent un jeu en même temps. Ah bah c'est parfait. Là ils sont en train de faire des jeux, non? Elle joue avec eux. Joue avec eux! Qu'est-ce qu'elle fait? Non c'est bon, arrête d'écouter la musique, joue avec eux. Attends. Défie un Sims. Tu vas défier Candy. Et voilà. Hop! Complimenter le Sims qui fête son anniversaire. Donc, Germaine, tu vas aller complimenter ta maman, s'il te plaît. Elle est là. Ah! Elle a été relookée, je crois! C'est pas bien grave. Ça va, c'est pas trop moche encore. Du coup. C'est où complimenter? Complimenter. Bon, vas-y, dégage en fait. On va mettre un petit. Non, bah celui-là. Complimenter, s'il te plaît. C'est où? Complimenter, voilà. Ah là. Ah, il faut que je le fasse 4 fois. Bon, bah. C'est parti. Scrognogneux. Scrognogneux. Mais. Bouze. Complimenter. Bah, ils sont en train de jouer, hein, mais bon, c'est pas grave. Complimenter. Voilà, donc ça c'est bon. Créer un repas de groupe. Est-ce qu'il n'y a pas de cuisine? Donc ça va être compliqué, il n'y a pas du tout de cuisine. Vous savez quoi? On va en faire une. On va en faire une derrière le truc en mode. En mode toute pourrie, mais bon, c'est pas grave. Hein. Hop. Voilà. Si tu veux bien aller nous faire un gâteau, cuisiner un gâteau au chocolat et cuisiner. Cuisiner, je vais faire un repas de groupe s'il te plaît. Voilà. Vas-y. Complimenter un Sims. Donc, s'il te plaît, arrête de jouer. Discuter avec Yann. Hop. Et toi aussi, tu vas complimenter ta maman parce que c'est son anniversaire quand même. Tu dois lui dire qu'elle est belle, elle est gentille. Tu l'aimes, ta maman. Il faut lui dire que tu l'aimes. Dis-lui que tu l'aimes! La meuf qui s'énerve. Ok, donc je crois que j'ai déjà fait en fait. Bon, bah écoutez, hein, je ne peux pas. Du coup, tu l'as fait? Mais elle l'a pas fait, elle l'a pas complimenté. Réalisé sans envie. Oh, trop bien, on a débloqué un succès. Lancia, on a débloqué un succès! Au revoir, d'accord, bah casse-toi. Est-ce que c'est bon, toi? Mais qu'est-ce qu'elle fait? Allez, reprends le gâteau. Ah non, elle est déjà en train de faire un truc, ok. Si tu pouvais te manier, attendez, je vais mettre un autre four. Au pire, c'est budget illimité, alors je sais même pas pourquoi je prends un truc aussi pourri.
Moulin. Il est frigo de malade. Hop, voilà. Alors, du coup, ce pauvre gâteau qui est trop mal foutu. Manger le gâteau, complimenter un Sims qui fait son anniversaire. D'accord, donc on va attendre qu'elle fasse le gâteau, la meuf, là, parce que bon. Qu'est-ce qu'elle a? A vu un acte choquant. Ah oui, elle est froide. Oh, c'est un nouveau trait, je vous dis pas la galère. Elle est où, Kéane? Kéane, voilà. Est-ce que tu peux complimenter ta mère, s'il te plaît? C'est son anniversaire. Alors sois un peu sympa. Au lieu de faire n'importe quoi, là. Mais viens ici, morue! Elle me saoule, elle, hein. Dépêche-toi! Bon. Est-ce que tu veux bien la complimenter, Boudiou? Voilà. Et elle, elle l'a toujours pas fait. Non, mais c'est hallucinant, ça. Complimente ta foutue femme. Oh, mais c'est une blague. Arrête de danser. Voilà, enfin, merci. Le gâteau blanc. D'accord, bon, bah écoutez. On va faire ce petit gâteau pourri, hein, c'est pas grave. Du coup, tu vas. Bah, souffler les bougies. Hein, j'ai jamais fait de fête d'anniversaire, donc c'est pour ça que je galère, je pense. C'est vrai que je n'en fais jamais. Donc, tu vas prendre un morceau. Oui, Kian a vieilli. Et oui, prendre un morceau. Non, pas ajouter une décoration de mariage. Appeler à table, voilà. Manger une part de gâteau, quelle horreur. Bon, arrête de parler avec Ginette! Oh, va faire pipi, toi. Et voilà! Du coup, on a la médaille d'or, c'est parfait. Va faire pipi, dépêche-toi, tu vas te pisser dessus! Vite! Oh, le bidou qu'elle va avoir. Attendez. Elle a combien là? Elle est même pas au troisième trimestre? Ouais, mais elle est un peu ronde aussi, je sais pas. Je sais pas. Ginette, tu t'es empâtée. Bon, bah c'est cool, on a la médaille d'or. Bon, du coup, elle a bien vieilli. Est-ce qu'il y en a d'autres qui doivent fêter leur anniversaire? Bah écoutez, on va voir ça là. Donc, elle, c'est bon. Bah, elle, elle est enceinte, donc ça ne compte pas. Toi, il y a grave le temps. Et vous aussi. Bon. Eh ben c'est parfait tout ça, c'est perfecto. Bah écoutez, on a fait une bonne petite fête. Voilà. Tu es très mignonne, Kian. Par contre, je pense qu'on va rentrer maintenant. Hop. Allez, tout le monde rentre. Merci d'être venu. On a trop snobé nos invités. En plus, on leur a pas adressé la parole. Ah, punaise. Je remets ma caméra, voilà. Même si vous l'avez vu. J'ai un épi, c'est magnifique. Il faut me la dire quand c'est comme ça. Oh, Marie-Antoinette, rentre tout de suite. C'est trop gnagneux. Du coup, je vais leur acheter des équipements de sport parce que elles ont grossi. Pas que ça me dérange. En fait, quand je fais un Sims mince, enfin mince entre guillemets parce qu'ils sont toujours. Bref, quand je fais un Sims mince, j'aime bien qu'il reste mince et quand je fais un Sims gros, j'aime bien qu'il reste gros. J'aime pas quand ça change, quand je l'ai pas choisi. La meuf. Voilà, c'est pour ça que souvent je dis toi tu vas maigrir, toi tu vas grossir, machin. Et oui, c'est comme ça, j'aime avoir les Sims que j'ai créés au départ. Toi ça va? Ça me... Putain, mais les boobs. Elle fait pas semblant, elle, hein. Je peux te dire, ces gosses manqueront pas de calcium, hein. Putain. Putain, ça m'a tué. Du coup, on va jeter ça. On va acheter de quoi faire du sport. Alors, un beau tapis roulant, s'il vous plaît. Un tapis de course médicale, on va éviter quand même. Ça. Ça. Environnement 3. Ça. Écoutez, on va en mettre plusieurs. Voilà. Allez, hop. C'est parti. Donc toi, t'es trop petite. On s'y met. Je pense que... Ah si, elle peut. Parfait. Est-ce
Allez, go les filles. Hop. C'est parti l'entraînement là. Et plus vite que ça. Comment elles galèrent les pauvres. Oh, mais les bouses qu'elles tapent la Germaine. Oh, c'est abusé. D'ailleurs, on pourrait peut-être lui trouver un petit copain. Quoi qu'on s'en fout. La pauvre. On s'en fout, mais bon. En fait, je vous avouerai que j'ai envie de garder que elle. Allez, on continue. Toi aussi. Zou. Zou. Et on va se laisser sur ce magnifique tableau. Oh, la pauvre est en train de crever. On va se laisser là-dessus. J'espère que l'épisode vous aura plu. La semaine prochaine, il sera sur la chaîne d'Elancia. Vous avez sa chaîne en description. Sinon, vous pouvez regarder toute la playlist si vous venez d'arriver. Je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à commenter pour dire ce que vous en avez pensé, à partager, à aimer. Et faites-vous plein de câlins. Je vous envoie des cœurs et des paillettes. Et salut!